ce sont les États ou bien ce sont des sociétés privées qui déstabilisent la région des Grands Lacs. Et si vous avez cité quelque chose, je ne veux pas y revenir, mais est-ce que vous avez de preuves que des multinationales occidentales, notamment américaines, canadiennes et françaises, sont derrière ces guerres dans la région des Grands Lacs? Mais lisez le livre. Ces multinationales, étaient à Goma. C'est elles qui étaient à Goma. Vous avez suivi, ça ce n'est pas un secret. Lorsque Laurent Désiré Kabila a signé les accords en tant que chef rebelle à Lubumbashi avec les multinationales américains pour prendre les mines de Tinkefungurume et de Kalemi, mais c'était public. Avec vous avez suivi. Les 200 millions de dollars. Avec les 200 millions de dollars et tout. Donc c'était public. Ce ne sont pas des preuves à donner. Les preuves sont là. Je place simplement les faits dans la logique de l'histoire pour que le peuple congolais comprenne et que la communauté internationale comprenne que la guerre qui a eu lieu, c'est une guerre qui a été initiée, pensée, planifiée à partir de Washington en passant par Kampala et Kigali. Na kende kiti avant même bitumba e banda na zwa ki pepo na kende kiti komono Museveni po na yeba ki ba sekele wana po na yeba ki tango bibundeli oyo boye ba américain ba kamata ki yango na Somalie ba kitisi yango na Uganda pe tango ba zeko longola yango na Uganda po ele kana Rwanda po na kubanda bitumba na kende ki deja ele ko wana komono Museveni na sololi na ye tango bitumba e bandi ne bandeli penza na kei komono biso na Museveni na Kagame tokutana ki na Kampala epa ya Museveni tango na zongi na Kinshasa na yebisi na television na biso ke invasion oyo etumbo ezeko ya ezali rebellion soit disant rebellion ya AFDLT ezali Uganda na Rwanda bazali ko atake biso pe to kende na kende ko solo la na bango po to luka to zwa solution na makambo wana po na yeba ki ke bazai bango moko te ba américain bazala ki sima na bango me le ko wana batu bandima ki ngai te pa ya ba kopona ba Paris, Bruxelles, Londres ou Washington po ba ya kotia te ya ngwana na zolo ba polele na kambo yo to zai na ngwe de communauté internationale azé derrière tango bitumbe zala ki na nini na Afrique du Sud et pas na Mandela, pe na Thabo Mbeki azaki vice-président. Ngai na yeto travaillé poso mobimba na Afrique du Sud. Bato yonga na zalaki na bango ba collaborateur na ngai bazali na Kinshasa. Mais ezalaki to solo la ki na na ba américain. Nga na discuta ki na Laurent Désiré Kabila te. Tango ya zo buna bitumba nga na zo discuter na ba américain. Bango bato bazo pe sangai programme et avancement ya Laurent Désiré Kabila. So ki Mobutu a cédé te kisangani kokoya sima na poso mibale. Mobutu a cédé pété poso mibale kisangani kwe. Bango ba trozaki na programme. Mayele a discuta ki chute ya kisangani na ambassadeur ya États-Unis. Alobi lokwa ba uti ko nomengai prini ni chef d'état major boti ke langana no mwa mikolo parce que so ki kisangani kwe ambassadeur ya États-Unis alobi niet. Programme si la ki kozala arrêté na Washington et ko sale mandenge. Donc, ils ont une communauté internationale. Ce qui est le lobby, c'est le lobby. Ah, tous la communauté internationale. Et là, comment que ça les matins? Problème, il y a beaucoup de biso Zaïre Congo. Ce qui biso moko banan boka, to telemite. Puis ce qui biso moko peuple na biso a telemipote. Ah, ça la barrière. Ils allent quitter la boka na biso. Donc, aujourd'hui, na biso. Aujourd'hui, na boka na biso. Problème, oyo. Tozei nango na pasi yango wana. Omoni mama banda nini na loba banda indépendance c'était banda colonisation. Liwa na mboka na biso ezali kita. Oyebi ke mboka ya biso wana tozali l'un des pays les plus riches ya mokili. Tozei na kita koleka ba mboka ebele na mokili. Pe soki omoni banda indépendance na mboka na biso tozaka kimia te. Banda tozwaki indépendance ba soviétique na ba américain ba bandi kowela. Ti lokwa tozei lelo bo ezali kaka match wana ezali na mboka na biso po na koluka ko kontrole kita na mboka na biso pe lelo eloko ezeko sale mawana ezeka kaka yango omono.